le poste de secours de la Monnerie. Nous avons donc différents panneaux qui sont intégrés donc, à la communication. Le premier concerne la température de l'eau et la température de l'air, ainsi que la signalétique. Le public sait en arrivant si la baignade est surveillée, si le drapeau est vert, dangereuse ou interdite. Donc dès l'entrée du site de la Monnerie, comme au niveau du poste de secours. Ensuite, nous avons une communication liée spécifiquement à l'eau et à la vie naturelle sur le site, où on informe le public sur d'éventuelles algues et les risques encourus pour le public. Et enfin, nous insistons sur la qualité des eaux de baignade, où l'Agence régionale de la santé contrôle de façon périodique, à savoir tous les 15 jours à partir du 6 juin, date d'ouverture de la baignade, la qualité des eaux. Donc nous avons entre 6 et 8 contrôles durant l'année et nous informons le public via ce petit panneau de la qualité des eaux.